L'artiste et musicien Gazmawete est dans nos murs. Ce compatriote est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur ce vendredi 23 juin 2023 au gouvernorat du Nord-Kivu. Gazmawete indique qu'il est à Goma pour livrer deux concerts, l'un pour la paix et l'autre pour la collecte des fonds en faveur des démunis de cette province. Par sa musique, ce musicien congolais compte apporter les sourires à la population de Goma et de ses environs. Je suis venu pour deux concerts. Un concert pour la paix et un autre concert pour une collecte de fonds pour aider les démunis, les enfants défavorisés et tous ceux qui vont mal en ce moment, comme on le fait toujours. Essayer de partager un peu de joie avec ceux qui aiment ma musique et ceux qui n'aiment pas ma musique, mais avec surtout mes frères congolais. Je suis venu plus pour apporter de la joie à ceux qui pleurent, apporter un peu de gaieté à la ville et surtout aider ceux qui en ont besoin. Donc voilà, et j'étais venu voir le vice-gouverneur pour en parler. C'était important de signaler ma présence ici. Et c'est fait, et j'ai eu à m'entretenir aussi avec les autorités pour la situation de notre province. Et j'ai essayé de voir un peu comment est-ce que les choses se passent en apportant mes idées et mon appui à notre gouvernement et à tout ce qui est censé arranger les choses dans notre pays. Je pense être prêt pour livrer ces deux concerts qui sont censés être ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Je suis venu pour voir mes frères, pour passer du temps avec eux. Ça fait 3 ans que je ne suis pas revenu. Il y avait plein de complications. Il y a toujours des problèmes, on comprend. Mais on essaie toujours de passer outre et de surmonter toutes les épreuves qui nous sont... toutes les épreuves qui nous tombent dessus. Et les choses se passent déjà très bien. Je suis déjà présent. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura deux événements que je pourrais qualifier d'historique et surtout d'inoubliable pour tous ceux qui prendront part à cet événement. C'est pour les 24 et les 25. Le 24 à l'hôtel Serena et les 25 à la gare routière. Rappelons que Gazmawete est un artiste et musicien évoluant à Kinshasa.